レターもらったっすね。なんでよ、見るなよ。やるっす。ゆうたさんすごいっす。やだな、こんなのいらないよ。本当に困るな。まっちゃ、あ、よし、任せな。やったっす。ラチェットやったっす。銀河のトラブル解決はラチェット&クランク2。Et ça, c'est rigolo, ça. Il m'en faut plus, j'en ai pas assez. J'en ai pas assez. Yo! Bonsoir! Soir. Enfin, hier soir, ça faisait 20 ans que Ratchet & Clank 2 était sorti. Oh, ça capture le curseur. Oh. Bonsoir! Bienvenue sur Kevin Watch! Donc ça fait 20 ans que Ratchet & Clank 2 est sorti déjà. Oh no. Encore? Attends. Vous avez pas entendu? Ah attends, je sais pourquoi. Tac, ça va être dans les sons. Sound alert. Moi je l'entends. Hein. Propriété. Non, c'est. Merde. Je l'ai bien mis dans une source navigateur. Parce que j'ai alerte sub. Attends, c'est quoi? Je vais le mettre avec lui. Hop hop, je vais le mettre avec lui. Merde. Ah, je vais le mettre ensemble. Ah, je l'ai trouvé. Sound alert. Monitoring désactivé. Sound alert. Monitoring est sorti. So red monitoring est sorti. List, oui. Actif, 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 actif. Gérer la balance. Ok. Miaou. Ah. Ok. Ok. Ça a marché là. Ça a pas marché. Je l'entends moi, mais vous, vous l'entendez pas. Pourquoi vous l'entendez pas? C'est trop bizarre. Mélangeur audio,
Il me l'affiche pas dans mon mélangeur audio. Il me l'affiche quand je vais dans les options. Source active. La question c'est, il me l'affiche quand je vais dans les options détaillées. Sound alert, il est là. Monitoring est sorti. Actif. Décalage synchronisation de 2 millisecondes. Non, tu me mets en pareil. Mono, non. C'est bien une source. Oui, de toute façon, c'est une source, de toute façon, je l'entends. Propriété. Shoka, contrôler l'audio via OBS. Ouais. Alors, je vais remettre le pas cher. Voilà. Ouh, ouh, daddy. Vous l'avez entendu là ou pas? Aïe! D'accord, fallait juste que je le mette en contrôle le son via OBS. Par contre, ça m'énerve, je peux pas les mettre dans l'ordre que je veux. Moi aussi, il y en a d'autres. J'ai verrouillé. Ok, je vais le remettre. Je vais le remettre. Ouh, ouh, daddy. Ah, c'est bien en termes de son, c'est assez fort. Peut-être un peu moins fort. Là. Là, ça serait bien. Hop. C'est parfait. Ok. Bon, on peut jouer maintenant? On peut jouer? Hein? Nouvelle partie. Nara, Jetto, shukudai de komatteru nda yo. Nantoka shite kure yo. Yoshi, kase na! トラブル解決はラチェット&クランク2。パック、le son、le son。Où le son？Eh bien, nous avons évidemment été très occupés. Après la défaite de Drake, il y a eu les défilés, les conférences de presse, les bals costumés. Et le barbecue chez l'IA. Ah oui, c'est vrai. Ensuite, les choses se sont un peu calmées. Voilà, là, on entend tout. On a... Enfin... Il y a eu la grande inauguration du Groovy Loop. Ah oui, je crois que c'était la semaine dernière. Il y a 6 mois. Bon, on a pas mal de pain sur la planche, en fait. Au sens domestique du terme. Hier, j'ai nettoyé l'intérieur de mon radiateur. Il faut croire que personne n'a besoin de héros en ce moment. Miss Nadelbottom, j'ai trouvé notre homme. Elle est téléportée comme ça. Qu'est-ce que... Je m'appelle Fiswidget, fondateur de la compagnie Megacorp dans la galaxie Bogon. Bogon? Désolé de vos incapacités, mais notre galaxie est tout au bord du souffre. Je requiers humblement votre soutenance pour une mission de la plus haute urgitude. Vous comprenez? Une mission excédemment périlleuse et d'une grande impératitude. Quelle langue parle-t-il? Alors, vous avez besoin de moi pour une dangereuse mission dans une autre galaxie? Certainement. Il y a quelques jours, un cobaye issu d'une expérience... Ah non, il tue, il peut parler. ...a été volé dans nos laboratoires par ce criminel du plus féroce. Et j'ai besoin de vous pour le récupérer. On s'en occupe. Ah bon? Quand, après avoir précipité votre récalcitrance, j'ai des improvisations spéciales à vous faire. Nous sommes prêts à vous offrir le poste de comptable en chef de Megacorp. Plus un loft dans la belle ville de Megapolis et notre masseuse robotique de pointe. Top là. Quant à vous, Ratchet, les robots putes. Dans la galaxie Bogon, vous suivrez une formation intensive aux arts martiaux, aux armes lourdes, aux techniques de survie et de fortilité, aux macramé, aux danses de salon et à l'origami.
ayant eu recours à la régurgitation vectorielle bipolaire pour suivre le voleur jusqu'à une base volante du secteur 7. Infiltrer, brûler la base et récupérer... Le macramé, c'est très important. Chef, parez au lancement. Nyon. C'est ça. Ici, ah, il est juste con. Hein. Approche finale sur les coordonnées 3, 7, alpha. Bonne chance, je compte sur vous. Affirmatif, je passe en silence radio. Ça marche ? Oui. Gauche, droite, haut, bas, oui. Ok. Caméra. Je peux pas aller plus vite. Bah let's go. Wow. Pour sélectionner des armes, maintiens la touche triangle enfoncé et sélectionne une icône avec le joystick analogique gauche. Le FOV de la console. Sur la cercle pour tirer avec le lanceur. Bio. Contrairement à Ratchet Clank 1 où tu commences sans armes, sans trap, Ratchet Clank 2 il est beaucoup mieux pour ça. Parce que dès le début tu peux faire du strafe. Alors que je vous rappelle dans Ratchet Clank 1, c'est une upgrade de Clank pour faire des strafes. Oui, j'ai joué ça quand j'étais tout petit, je l'ai fait et refait ce jeu. J'avais que ça sur PlayStation presque. Donc j'ai fait un New Game Plus, un New Game Plus Plus, un New Game Plus Plus Plus. Ah, je l'avais défoncé ce jeu. Hein. Il est un peu. Voilà. L'important c'est de tout péter et récupérer tous les sous. Jusque là ça tourne bien, je suis content. De véhicule plus sport, ouais, genre. La santé est au maximum, tu n'as donc pas besoin de... Ouais, je sais, je suis trop fort. Tout ça pour quelques boulons. Voilà, toi, juste toi, si tu as cherché. Bah, contrairement à Ratchet Clank 1, tu commences direct avec une arme, ça c'est bien aussi. Ah, c'est vrai qu'il y a un conseil qu'il fallait que je fasse dans une prochaine. Dans un prochain stream. Au début, c'est pas compliqué, tu casses, tu tires, c'est bon, tout va bien. Utilise la bombe gravitationnelle, maintiens la touche triangle enfoncée. Oui, on sait! J'ai un lance-grenade. Crunk! J'ai du mal dans les grosses explosions. Il serait temps que j'améliore mes forces de sécurité. Wow. Hey, non, attends, je suis juste là pour réparer le rouleau du transfluxeur. Bien tenté. Toutes mes félicitations à Megacorp. Éliminez-le. Pas mal celui-là. Ah! Et il me semble que c'est en Ratchet Clank 2 que t'as la plus grande variété d'ennemis, même si des fois t'as juste des ennemis qui ont un reskin, tout ça. C'est vrai que t'as la plus grande variété d'ennemis. Ratchet Clank 2, c'est mieux que le 1. Hein. Le 1 est peut-être un peu plus drôle. Mais en termes de gameplay, le 2 est tellement mieux. Parce que le 1 c'est infâme pour viser. Hein. Pour viser avec le 1 c'est infâme. Sans le strafe, c'est compliqué. Tel Forless, nous allons vous réduire en miettes. Bien, mon métier, c'est la sécurité. Vous payez et on se charge du sale boulot. Bien, amenez-moi vos meilleurs hommes à ces coordonnées.
Thug for Less, si on traduit littéralement, ça veut dire bandi pour moins que ça. Donc c'est rigolo. Oh! Oh! Ah, dommage. J'ai gaspillé une mune! Les boulons, on récupère tout, hein. Avec le lanceur, appuie sur la touche L1. Oula, ça ralentit déjà. S'il faut, je baisserai un peu la résolution. Je suis un peu plus qu'en natif PS2. Au confort. C'est le mur. On l'a pas entendu très très fort celui-là. C'est pas plus mal parce qu'après il y a les droits d'auteur. J'avoue. Si c'était très fort, pas dans les oreilles. Miaou. 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 Fuck. Le miaou est hyper fort par contre. Est-ce que je peux régler indépendamment mon retour? Ouais, on est d'accord. Je sais pas si je peux régler indépendamment mon retour du son que vous avez. Isaac. Oh, je suis tellement mauvais, Isaac. La dernière fois que j'ai touché, je crois que c'était avec Charwina et c'était pas glorieux. Ah ! Recule ! Ah, ça frisouille un peu, mais bon. C'est les dures péripéties de l'émulation. Leon, help! Leon! Leon, help! Il me fume. Ooh, daddy. Allez. Je vais remonter un peu dans ce cas-là. Là. Ici Ratchet, monsieur. Incrédibile. C'est qu'il y a eu un petit problème. Le voleur s'est enfui avec le cobaye et j'ai aucune idée de l'endroit où il a pu aller. Pas de soucis. Je viens de recevoir une émission qui pourrait bien illubrider cette affaire. Avez-vous des cartes pour ce secteur de la galaxie? Bien sûr, monsieur! Des cartes galactiques 3D, dépliantes, détaillées, plus des cartes de stars et de leur maison! Désolé. J'ai oublié mon portefeuille. Vous pourriez vous occuper de ça? Illubriminé! Vous oubliez votre monnaie. Alors des cartes de stars et de leur maison, c'est terrifiant. Cet univers est terrifiant. Alors là, c'est le moment où on crase les dents pour pas que ça lag. Mais par contre, la meuf du tutoriel, elle est tellement plus sèche et froide que dans... que dans Ratchet & Clank 1, genre elle est presque... t'as presque l'impression qu'elle est un peu méchante. Yay ! Mec, ils sont plus forts que d'autres, hein. Alors, le cracheur d'étoiles, c'est un peu de la merde. Donc on va prendre le... on va... oh non ! Non, pas ça ! Je vais faire comme chez Carapin. Chez Carapin, c'est ou Yaya ou Nyak Nyak.
Et du coup, faut essayer de deviner ce que lequel ça va être avant. Pourquoi t'as mis ça? Ah! Après, le cracheur d'étoiles est un peu... il vise tout seul, donc ça c'est rigolo, mais le problème c'est que... Quand tu le lances, tu es... T'es immobile, alors en fait, faut toujours le lancer en sol. Ah, super, j'ai encore rien fait, bravo hein. Merci la confiance. Bon. Alors ça donne des boulons. C'est les boulons, c'est les buissons qui donnent des boulons hein. Pour lancer ta clé. Oui, y'a du monde. Triple shot, c'est bien ça. Oh. Des fois le jeu reprise un petit peu, mais ça marche bien. Bon, ça, l'argent pousse bien sur des arbres, tout à fait. Ah, c'est pas l'argent, enfin, c'est des boulons, mais c'est de l'argent quoi. Ah, salut! Ok. Alors lui ils font tout seul hein, tu peux pas le sauver. Le cours du boulon. Ah ça va en vrai hein. Ah. Attends. Ah celui-là ça va pas afficher dans le chat. Sur chaque planète en général t'as un t'as plusieurs chemins. En général deux voire trois. Et faut faire les deux chemins pour finir la planète. Ah y'a un mec qui s'est fait embarquer par un tentacule, on a vu. Ah on les voit dans la flotte. Ah putain. Au secours. Au secours. Ah tu savais la plateforme. Ah ok. Au secours, il est si long celui-là. Non. 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 Miaou. 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 Pour désactiver les messages. Mets en pause et sélectionne option pour les désactiver définitivement. La voix qui te donne des indices pour lui demander de fermer sa gueule. Ça me fume. Pion, pion. Pion, 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 pion. Ah! À force de jouer en strafe, les développeurs ont compris que les joueurs préféraient jouer en strafe. Du coup, ils ont proposé l'option de jouer en strafe par défaut dans Ratchet & Clank 3. Oh, il est super long. Ah, j'ai pas beaucoup de mun là. J'espère que ça va aller. Ah!
Ah, le Liam Help, il est terrible. Hein. C'est très bien. C'est très bien pensé. Hop. Oublié de dépouiller les buissons de leur argent. Même les buissons perdent leurs impôts. Tu as débloqué la dynamo, la technologie hyper archaïque dans le monde futuriste. Appuie sur la touche cercle pour utiliser la dynamo et déclencher l'activateur. Waouh. Alors non, je vais d'abord récupérer l'argent. Pas ça à plus de faire 1-2 ou 1-2-3. Ouais, parce que tu... Tac, tac, tac. Oh, ça va aussi vite. Hop. Ah oui, c'est rigolo ce passage-là. Cercle. Merci d'avoir choisi Megacorp, l'enseigne préférée de nos clients. Ah, je suis à 86%. C'est bon, ça a chargé. Wow. Et du mal au jeu. On va faire un truc. On va faire un truc, vous allez voir. Personne entrant à Megacorp doit porter une chemise et des chaussures. Oui, oui, on sait. Ce sera moins beau. Native. Hop. Allez, désolé. Ouais, mais ça marchera mieux. Hop. Pour centrer la caméra. Quand je regarde en haut, qu'est-ce que ça dit? 96, 90, 98. Ça m'emmerde parce que j'avais joué au 3 hein, et j'avais pas de problème. Et j'étais même en 1080p. Hein. Peut-être que c'est le stream qui prend un peu trop. Bon, c'est pas grave. Là, vous avez la vraie résolution native. C'est moche. C'est la PS2. Je me demande s'il y a un truc là, mais il me semble pas. L'argent. Pas d'argent récupéré, il me semble. Non. Oula. Sur tous ces articles, les taxes habituelles restent en vigueur. 3%, incroyable. Hop. Hatchet, entrez. Vous êtes là? Je vous reçois, monsieur Fitzwidget. Écoutez. J'ai de nouvelles inflammations sur la disparition de notre cobaye. Le voleur a été indemnifié à la station Maktar de Megacorp. Et les Tugs ont aussi placé un dispositif de brouillage sur l'orbite de la station Maktar. Je dois le détruire? Affirmativus. Ça embrouille à mine la retransmission des gladiateurs galactiques. Regardez-moi ça. Interrogez-vous, êtes-vous suffisamment fort, héroïque et fou pour affronter deux des plus redoutables guerriers de la galaxie? Si vous répondez oui, c'est que vous êtes un menteur. Alors retrouvez les gladiateurs galactiques chez vous avec Megacorp au cours d'une retransmission spéciale sur Megavision.
Vous assisterez d'abord à l'épreuve de survie de notre bio-compétition. Soyez là lorsque le tronçonneur, se déchaînera sur nos concurrents gladiateurs. Le tronçonneur est invaincu depuis 500 matchs. Et si la biodivision ne vous suffit pas, notre division robotique vous comblera. Sensation forte garantie lorsque les concurrents affronteront notre bandit à quatre bras, le bagarreur B2. Bagarreur. Aucun être vivant ne peut rivaliser avec cette machine. Elle est faite de 6 tonnes d'alliage carbonox et programmée pour tuer. Il n'y aura pas de lot de consolation, car les concurrents combattront jusqu'à la mort. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Appelez vite pour recevoir le tronçonneur et le bagarreur B2 dans votre salon. Mais rangez bien la vaisselle de grand-mère. Les gladiateurs galactiques sur Megavision. Appelez votre fournisseur. Le tronçonneur, hein? J'ai les coordonnées. Terminé. La grosse baston. Tu as acquis des nanotech. Ta santé est améliorée. Ah, elle est pas améliorée, elle est soignée, ma santé. Ah. Non seulement elle est désagréable, en plus elle se permet de dire des conneries, hein. Bravo. Tu peux afficher tes missions sur l'écran carte. Appuie sur la touche Select ou la touche R3 pour accéder à la carte. Puis sur la touche 3 pour afficher les missions du monde sélectionnées. Moi je casse les buissons. Salut! Là! Oh oui, il va peut-être s'améliorer lui! Oh! Ça c'est bien! Et ce qui est bien de racheter Clank 2 aussi, c'est que. Non mais. Ce qui est dans Ratchet & Clank 2 aussi, c'est que les armes s'améliorent une fois. Et ça, c'est un super concept. J'ai envie de jouer les armes même nulles pour voir ce qu'elles vont faire après. Alors là, élément de gameplay chiant de cette planète, c'est les... Ah, voilà, vous êtes bien. C'est ces machins-là. Il faut aller sur leur dos pour avancer. Il ne faut pas tomber dans le flotte. Et sans Clank, ça peut être compliqué. Knock knock. Voilà. Rentabiliser la bombe. La giga boumasse. Fuck. Oh, m'a touché. Tac, au début du jeu, 4 hits et c'est fini. Hein. Faut aller vite. Alors là... Et les boulons en titane ici, comme ça il y en a 3. Ok, on va tout faire. Hein. Alors lui il va jusqu'où? Ok, lui il va jusque là. Est-ce qu'il y a des trucs cachés derrière? Il me semble pas. Nope, pas ici. Alors lui il nous ramène au début, je crois. Ah non. Si. Il nous ramène au début. Hop. Ouais, et là si je tombe après que tu sois parti, c'est foutu. Hein. Alors, il me semble il va jusqu'au bout, ouais. Voilà, c'est ça. Et là, il y a des boules longs. Et nous, on aime bien l'argent.
un truc, mais... Plusieurs moyens de glitch dans Ratchet & Clank. Le pognon. Oui, tout à fait. Le Saint-Pognon. Les boulons, la ferraille. Oh, il est tombé. Pas eu de fail pour l'instant. Attention le karma. Vas-y, oh, c'était Carliste de pas me taper. Voilà, c'est bon. Et l'explosion d'Anotech. Ça fait les dégâts. Ok. Le pognon. Oui. Ok, là il n'y a rien d'autre, il me semble. Bienvenue à tous. Veuillez vous asseoir, nous allons passer à la démonstration du jour. Tout d'abord, y a-t-il un volontaire? Alors? Parfait. Votre nom, monsieur? Ratchet. Et voici notre star du jour, le tractofaisceau Megacorp en action. Tant pis pour notre volontaire. Monsieur, que diriez-vous de profiter de notre offre spéciale? 4. Le 4. C'est vrai qu'on t'extorque de l'argent pour des gadgets pour avancer dans la mission d'après. À chaque planète, c'est ça. Tu crois avoir du pognon, mais en fait... Miaou. 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 Oui. Bien vu. À chaque fois de planète, tu crois avoir du pognon, mais non, faut payer un gadget pour avancer plus tard. Donc, en fait, t'as moins de pognon. Merci, monsieur. Je suis sûr que vous ne serez pas déçu. Bah, je pense que si. Le tracto-faisceau permet de déplacer les objets petits et moyens dotés de cibles oranges scintillantes comme celle-ci. Appuie sur la touche cercle pour déplacer ses colonnes afin d'escalader. On explique même comment faire pour avancer. Pour le boulon. Après, celle-là, c'est pas grave. Je vais laisser un peu fort. Miaou. Là tu découvres ton engin, tu découvres ton premier boulon de titane ici. On t'explique un peu après à quoi ça sert. Il est complet ce jeu quand même, moi ça me fait plaisir de réussir à faire ça. Tout ça dans un même jeu. Des caisses ou des trucs comme ça derrière. Non, plus que chi. Hop, et là normalement on a tout fait. Sauf que normalement après avoir fait le premier chemin, on débloque un accès à un autre boulon en titane. Hop, hop, hop. Oui, je le vois. Donc ouais, tout de suite aller le chercher.
XP. Et voilà, le deuxième boulot en titane de cette planète. Il me semble qu'il y en a un troisième et je ne sais plus où il est. Voilà, j'ai bien peut-être une idée, mais... Fichier mission. Ben, je crois que je le vois sur le dans le vaisseau, mais pas sur la carte. Allez, du coup, on nous donne un indice. De là, on peut voir la grotte. Avec les bêtes. Hop. Et contrairement à Ratchet & Clank 3, les boulons en titane servent à quelque chose ici. Passons à la planète suivante. Et... non. Là, je vais voir. Trouver deux. Eh ben, j'ai tout trouvé ici. Il reste deux. Ah non, ça me dit pas combien on a. Ah. D'accord. Ok. C'est dans Ratchet & Clank 3 qu'on te dit combien il y en a. Ah. Ouais, faut bien suivre le compte de chaque boulon de chaque planète. La robot waifu. Oui, puis-je vous aider? J'ai dit. Ah, nouveau gameplay. Wow. Fuck, j'ai déjà détruit mon bouclier. Je crois que c'est mort. Tu viens de récolter. Ah, c'est bon, j'ai récupéré du bouclier. Celui-ci peut être échangé contre des upgrades de vaisseau. Allez. Fuck. C'est un peu infâme, hein, les contrôles, surtout avec le FOV qu'on a là. Pas de aim assist. Ah, c'est flippé ça. Je vais m'en donner un cœur loin dans tes streams, hein, c'est de ça, Charwina. Cours. A la fois, j'aime beaucoup les combats en vaisseau dans ce jeu, mais à la fois, je les trouve un peu infâmes. Da. Voilà. Wow. J'ai oublié de faire beaucoup de salto. Oui, on a le boost aussi. On a aussi le radar pour savoir où est-ce que sont nos ennemis. Il y en a eu un seul. Tant qu'il a lancé le trigger. Ah, salut Purple. Hop. Attends, je regarde pas le chat.
Mais c'est logique. C'est logique que t'aies mis ça à Purple, c'est logique. Allez. Ouais, faut bien, faut bien. Bien qu'il reste dans l'écran. Hein. Ah! Ils bougent bien les bougres! Vite, ça va le faire. Wow, wow. Voilà, 3. Hop. Vaincu. Ouais, en route vers le soleil. Yeah, oui. Ah, tout éclate. Bah, c'est bien. Je vais attendre pour acheter le gros peupon. Ah, ici ça vaut le coup de tout péter, hein. En général, ça vaut du pognon une fois. Après, quand tu recharges la planète, ça vaut moins de pognon. Donc ça vaut le coup une fois. Ah, et un truc qui est super. Alors que j'ai déjà remarqué dans le 1, mais que je peux refaire remarquer dans le 2. Pour ça, il faut que je bute un gars. Alors vous voyez, chaque boulon a une forme différente. Et en fait, chaque boulon, chaque forme a une valeur intrinsèque. La vis toute bête, elle me semble, elle vaut 1. Donc là, on a le gros boulon qu'on a avec les stries, il valait 50. L'écrou, il vaut 5, c'est ça. Mais de fou, car Charwina, c'est trop bien pour les gosses, ça, c'est hyper cathartique. Alors, là, vous allez voir, la vis, elle vaut 1. Normalement. 1, voilà. Bon, j'ai pas trop le moyen de trier pour vous montrer indifférent. S'il y a lui, là. Ah non, c'est que des écrous. Voilà, c'est que des 1 et des 5. Donc ça va être... Ok, la clé est magnétique donc elle attire les boulons. Donc là on a que des écrous. Ouais. On va d'abord aller à gauche. Carrément purple. Voilà, très bien. Oh merde. Le salto. J'attendais celui-là. C'est vrai que je ramène des oukrous au pif, mais c'est parce que j'y reste dans ma poche. Merci. Voilà, bien. C'est bon, vous êtes content? Wow. Thank you.
Alors de mémoire avec tous les effets la PS2 laguait autant. Alors évidemment on instaurait aux enfants à l'époque l'addiction au jeu. Un peu le son du jeu. J'ai baissé le son des sons d'alerte. Ouais, je l'ai baissé. Et tu peux avoir un point de compétence. Point de compétence, c'est les petits secrets que tu peux avoir. Ah, rien. What fuck. En fait, t'as des surprises là-dedans aussi. Hein. Ouais. En général, quand il s'affiche une bombe, c'est que c'est foutu. Ah, vous me dites, vous allez me dire, j'utilise la grenade sur les petits strums, c'est overkill. Ouais, mais c'est pour améliorer le lance-patate tout de suite. Ah, le seul qui pète. Ou que j'ai plus d'argent, mais en général, il pète avant. Bonjour. J'en ai touché aucun. Et voilà. Ah si tu payes 10 boulons. Donc ce qui vaut rien. Genre tu pètes 2 lampes, c'est bon, t'as quoi payer 3 machines. Je peux aussi avoir un point de succès si tu détruis absolument toutes les lampes sur. Planète, mais bon, un peu la flemme. Et j'ai pas perdu de vie, incroyable. Tu attraperas automatiquement des rebords si tu sautes dessus. Oui. Pour te hisser, appuie sur la touche croix. Pour redescendre, appuie sur la touche R1. Oui, oui. Alors là, faut que je fasse gaffe de pas péter toutes les caisses. Parce que il faut que je puisse monter. Tape au cac, mais peut-être pas eux. Bon, c'est fini. Ça va d'être fini. Les boulons manquent, disparaissent. Ok. Et donc là, voilà, là il y a un boulon. Hop. Normalement, si tu te mets au bon endroit, tu peux agripper le mur. Mais sans clank, c'est chiant. Alors, je préfère garder les caisses pour ne pas avoir à revenir plus tard.
Bon, ça, ça lag pas chez vous. L'image est pas trop. De toute façon, j'allais dire l'image pas trop dégueu, mais. Entre des murs, saute vers un mur et appuie de nouveau sur la touche croix lorsque tu le touches. Le wall jump. De toute façon, le concept de demi-tour c'est 20 ans après donc. Natif. Avec les vieilles textures et tout, la vieille résolution. Oh putain le merdier! Ah, il me semble pas qu'il soit capable de vider en l'air, si. Voilà. Oh non. Oui. On vise bien, voilà. Ratchet & Clank 1 en termes de contrôle, c'était vraiment ça. Hop. Hop. T'es impec, bah c'est super. Bien. Les munis c'est rentable parce que les munitions valent cher en vrai. Argent, rien. On essaie d'avoir le point de compétence. Normalement, si tu bourres les machines, tu l'as vu. Hein. Avec ma luck. Ça, ça pète. Oh. Ah, pas loin. Ouais, faut que j'ai 3 barres. L'argent. Allez. Rien, rien, rien. Au bout d'un moment, il le lâche, hein, mais. Rien. Pognon. Rien. La musique des enfers des fois que ça fait. Ah, ça explose. À gauche il a pété, ouais. Allez. Allez, m'en faut du pognon, je veux le point. Oh là 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 là, donne le pognon, le pognon. Et Rachet succomba aussi à l'addiction des jeux. Wow. Ah, j'ai mérité celle-là. Ça, j'ai mérité. Hop. 2 3. Oh, voilà. Yes. Et là, c'est un plus gros champignon. Voilà. Bon, c'était un. Ouais, c'était pas nécessaire, on va dire.
Et du coup, il me semble qu'il peut avoir... Ouais, ah non, il a pas plus de munitions. Ah, c'est dommage. Voilà. Pop. Est-ce que j'ai d'argent rendu alors? Oui. Ça c'est peu rendu. Hop, et ben allons dans l'arène. Est-ce que tout le monde est prêt? Voici le méga combat. Je vous présente, tout droit sorti de nulle part, cet homme. S'il se débarrasse de tous nos gladiateurs, il repartira avec cet électrolyseur flambant neuf. S'il est battu par nos gladiateurs, il recevra l'eau de consolation. Que les jeux commencent! Ces machins, c'est vraiment un moyen de perdre la vie bêtement. Oui, ouais, je vais y aller à la clé parce qu'ils ont pas de vie. Hop. Ah, et là, je me suis pris le piège. Vainqueur des jeux de gladiateurs, c'est Or. Vous vous êtes qualifié pour notre championnat. Revenez combattre si vous voulez gagner de l'argent. Ou des boulons. Et choisissez un combat et gagnez un prix. Ah, j'ai pas encore le pognon. À bientôt. Alors, je vais demander le pognon. Dans les options, est-ce que je vais avoir des sous-titres? Texte, oui, bah oui. Ah non, c'est pas ça. Caméra. Son. Command. Peut sauvegarder, oui. Spécial peut-être. Non, je vais pas avoir de sous-titres, malheureusement. Allez, la bagarre. Choisissez votre combat. Faisons tous les... tous les défis histoire d'avoir du pognon. Wow. Oh, petit lag. Ah! Ce type est déchaîné! Ah, j'ai oublié esquiver, j'ai pas pu. Vous avez remporté le prix! Ok. Donc là, je peux acheter le. Pistolet bombardeur. Le peupon. On va faire lui parce qu'il est 1500 boulons, ça c'est pas rien. Ah oui!
J'ai oublié qu'il faisait si mal. Oh oui. Mal. J'ai parié sur le long bas. Et voilà. Et le prix est à vous. 1500 boulons gratos. Tac tac. Tout son heure, on va tous les faire. C'est le gladiateur préféré de tous. Il tranche, il taille, il découpe à chez menu. Je vous demande d'accueillir. Comme Dark Souls, faut coller le boss. J'ai mal géré, mais bon. Vous avez remporté le prix. Oui. Choisissez un combat et gagnez un prix. Mini en 30 secondes, facile. Tac. Bam. 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 Quand tu as le. Le dépon, c'est facile quand tu as le dépon. Et let's go. Et voici la colossale création de la planète Cérébella. Et voilà. Le bagarreur B2 est en course. Mission. Ouais, merci. Et le prix est à vous. Et voilà, les pognons. 30 en 60 secondes, c'est la même chose, mais en plus long. J'ai plus beaucoup de mun. Demi-tour rapide. Le poilu est déchaîné. Parce que la maniabilité du jeu ne permet pas de te retourner rapidement. Faut tricher un peu. Ça va faire mal. Et voilà. Choisissez votre combat. Oh, 3000 poulons. Allez, c'est bien. Au revoir. On a fait les deux boss. Ah. Pas compliqué, faut avoir de la vision périphérique un petit peu. Yeah.
Et ça ferait un beau souvenir pour Clank. Ouais. Hey. Vous ne savez pas dans quoi vous vous êtes fourré. Rentrez immédiatement dans votre galaxie. Ou voilà ce qui vous arrivera. Ou voilà ce qui... Adieu. Oh. Hop, on va falloir sauver Clank. Encore. Miaou. 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 Oui, super. Merci, Père. Oh. Si tu veux gagner plein de Oui, je sais. Oh, c'est pas la meilleure arène pour gagner des boulons. Allez, venez. Ah, c'est pas des trucs. Ah non, c'est pas le Miaou de Adrien. Ça aurait pu, mais non, c'est pas le Miaou de Adrien. Et c'est une bonne idée, ça, en vrai. Hop, donc là, on doit utiliser le machin. C'est pour ça qu'il fallait le prendre, parce qu'on pouvait pas avancer. Je sais plus s'il y a moyen de faire un truc avec ça. Bon, il me semble pas. Et monsieur, venez. Autorisation accordée. Ah, donc lui, il faut le trimballer sur les trucs. Sinon, les portes veulent pas s'ouvrir. La pompe. Aignez-vous bien. Parfait. Ah oui, il a survécu, je sais pas comment. Ah, je manque de vie, dis donc. Et hop. Rigole pas derrière. Ah bah, tout bien, tu sois là. Hop. Autorisation accordée. Ah oui, d'accord. L'imagination. La diction qui revient. Ah. Oh, on fait tout. Argent, pognon. Sur acheter clan que c'est toujours. Tu avais reçu Tia et tu récupères les boulons. Ça c'est vraiment un ferrailleur mécano. On est la preuve dans acheter clan 1 que Ratchet c'était un beau aussi.
Un gros beauf. Vraiment le cliché. Allez. C'est la règle. Est-ce que ouais, les éclairs, c'est lent. En fait. Oh, ça va pas trop loin. Par là, non. Voilà. Donc là, c'est pas ça un petit peu chiant. Va falloir réfléchir et viser. Quelque chose de terriblement lourd dans Ratchet & Clank. Ah, c'était trop bas. Faut revenir un peu plus loin. Là. Ah. On a un repère grâce au sol. Ça, c'est bien. Là, il me semble que c'est la max. Bang, voilà, c'est bien. Le repère, c'était un peu après la ligne du sol là. Je vais aller là. Hop. Voilà. Et l'autre, c'est la max. Hop, 3 à gauche. Ah non, c'est bon. Et voilà. Tout ça pour ça. Et on aura fini cette planète, on pourra passer à la suivante. Pour désactiver le dispositif de brouillage, détruis les 6 transpondeurs. Mets les émetteurs à jour avec le crancoboulon. Le crancoboulon. Touche carré pour utiliser ta clé, puis fais le tour de la plateforme. Oui, oui. Bam. Alors là, il y a un boulon à récupérer. Et je sais où il est. Pour afficher une carte. Ah, et ça avec la carte, ça c'est une très bonne idée. Oh putain, je suis coincé. C'est bon. Je trouve que c'est une très bonne idée qu'ils ont eu dans ce Ratchet & Clank là. C'était de faire la carte comme ça. C'est infâme pour s'y repérer, mais c'est très sympa. Normalement, ouais, c'est bon. Et là-haut, il y a un boulot. Mion. Faut juste pas bouger. Ah, il n'y a pas de dégâts de chute et il n'y a jamais eu de dégâts de chute dans Ratchet & Clank. Heureusement. Oh fuck! Le souci c'est pour viser. Mais si, un truc très sympa. Vous allez voir après. Regardez. Les tirs ils suivent la planète. Pas stylé ça. Je trouve ça méga stylé. Alors, faut aller là-bas. Hop, une tourne. Alors, je sais plus exactement, mais il me semble que t'as moyen de faire un truc avec
avec les satellites dans genre dans PT1 au vol ou quelque chose comme ça. Et que ça te fait un point de. Un point de compétence. Hop. Le son est buggé, moi je trouve, sur cette planète là. Risqué. Par chance, les transpondeurs ont des grosses lumières, donc tu sais où les chercher. Il en reste deux. C'est-à-dire qu'il en reste un vers là. Voilà. Le dernier était par. Ouais, c'est bon, voilà. On l'a. On a même le. La plateforme de saut pour y aller. Parfait, ça. Oh! C'est qu'on peut faire d'attaque sautée quand on descend de ça, dommage. Non, je vais me mettre là. Munitions, bah ça a été suffisant. Même pas charge plein de pépons, ça fait la planète. Bah ça, c'est tant que les ennemis ne sont pas des sacs à PV. Bien joué, mon garçon. Vous êtes inestimable dans ces dessous. Ah, apparemment, pas de cinématique. Le voleur est sous la protection des Tug Forless. Mais je vous ai peut-être trouvé un moyen d'insinuer leur mission. Et c'est dangereux ? Non. Enfin, peut-être un peu. Bien. Regardez ça, mon petit. Oui ? Ah ! Premier plantage. Bon, ça va reprendre le jeu. Non. Aïe, ça m'a jamais fait le coup, disons. Paramètres d'émulation, peut-être. Passer au rendu de logiciel. Une vidéo est lue. Ok. Hop. Non. Alors, il y a des trucs pour les vidéos. Ok, va falloir reboot, hein. Aïe.
J'espère que la sauvegarde n'est pas corrompue, sinon ça ferait chier. Mais ça, on peut pas passer, c'est chargé. Ouais, on peut pas le passer. Oui. Option. Chaque fois qu'on remet un français. Chargé. Allez. Don't fuck this up, please. Ah, peut-on recommencer, au secours. Fais chier. Au moins, l'émulation ne lag pas. Pas du tout, même. Tout à l'heure, j'ai des soucis d'émulation. Ça laguait de fou. On peut le trouver plein de stylés, bah voilà, on l'a refait. J'espère que t'es content. Ah, c'est pas ton site de jeu. D'accord. Il y a 20 ans déjà, hein, c'est fou. Alors c'était quoi ton style de jeu il y a 20 ans? Bon, ils ignoraient copieusement, hein. Ça me fume, il rage quand tu veux, quand il peut pas te buter. Il provoque. Il te provoque quand on a des bruits insupportables. C'est accompli. Alors du coup. Bien joué, mon garçon. Vous êtes inestimable dans non, non, j'ai pas le droit. Oh, mais il est là, et pourquoi il plante? Il a replanté. Faites grâce au lancement d'un jeu, blablabla. Ah, saute les vidéos cinématiques des jeux afin d'éviter qu'ils ne plantent. Hop, on va l'activer.
dans les patchs. Non, 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 c'est l'émulation qui pêche. Et j'ai même pas pu sauvegarder avant de... Oui. Faut que je reboot. Ok. Oui. D'accord. Ah ok d'accord. Ok donc je peux le faire directement. Merci français chargé. Et d'ailleurs... Parce que là il me l'a déformé. Ouais. Oula! Oula, il y a un problème. Il y a un problème que j'ai fait et qu'il fallait que je fasse. Configuration, vidéo. Non, c'est pas ça. Configuration. Paramètres d'émulation. Mode fenêtré. Oh, où est-ce que c'est. Non, j'ai oublié où est-ce que c'était. Système. Activer et connecter pour être en écran large, c'est ça. Non. Voilà, c'est bon. Ok, on recommence. Inefficace cette arme de munitions. C'est pas grave. Parlons de démo. Sur Ratchet & Clank 3, j'avais une démo de Sly 3. Ah putain. J'ai hésité, il fallait pas hésiter. Et je n'ai jamais joué à Sly 3, mais la démo était super. Thank you.
Alors du coup, hop, je vais préparer. Non, c'est pas ça. Voilà, c'est ça. Dans les patchs, je le prépare. Hein. Alors, c'est où la suivante? Hop, 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 les suivantes, c'était paf, paf, paf. Ok, donc j'allais d'abord à celui de gauche. Lui normalement c'est le dernier. Ah non, il en reste deux. Ok. Bien. Donc après lui je sauvegarde. Ok, donc là, option, on va sauvegarder, j'écrase, hop, c'est très bien, on va préparer et faire le, saute les vidéos cinématiques afin d'éviter qu'ils ne plantent, appliquer, hop, t'as poncé une démo, c'était le jeu Transformers, Fall of Cybertron, sur une bande d'essai PlayStation, c'est une démo sur un niveau. Il va dire que je connaissais tellement bien ce niveau que t'as fini la démo à 110%. Ah, c'était horrible à mettre alors que c'était un jeu. Ah, du coup, tu l'as testé sur, sur une bande de ces PlayStation, mais c'était infâme à la manette. Bien joué, mon garçon. Vous êtes inestimable dans ces dessous. Apparemment, le voleur est sous. Ah. Je comprends pas qu'est-ce que je peux faire là. Essayez si le jeu bloque toujours au même endroit. On va essayer ça comme ça. Ce rendu de la vidéo est lu. On va essayer ça aussi. Ok. Et du coup, faut quand même que tout que je refasse. Fais chier. Je me souviens que j'avais eu ce souci la fois où j'avais joué à Ratchet & Clank 2 sur PS2 et je sais plus ce que c'était.
sais plus quelle correction j'avais utilisé. Toujours le seum, hein, il est très colère. Ah mais oui, c'est vrai que j'ai les save states. Putain, j'oublie tout le temps. Je ferai ça après. Une save state devant la dernière tour. J'espère que les corrections avec les patchs que j'ai mis, normalement ça devrait marcher. Wow! Si je crève pas comme un débile. Ça, c'est l'avant-dernière, on est d'accord? Oui. Touche ici, vous pensez? La touche! Crank, crank! Ok. Alors, ok, donc là j'ai activé plein d'antennes de système. Sauvegarder slot 1, sauvegarder le slot 1 aussi. Hop, voilà. Avec un peu de chance, cette fois-ci ça marche. Bonne nuit, Purple. Ouais. Attends, reste pour voir si ça marche. Bien joué, mon ça, ça marche! Vous êtes inestimable dans ces dessous. Apparemment, le voleur est sous la protection des Tug Forless. Mais je vous ai peut-être trouvé un moyen d'insinuer leur mission. Et c'est dangereux? Non, non, non. Enfin, peut-être un peu. Bien. Regardez ça, mon petit. Les cheveux au vent. Le soleil sur la ça me fume. Les insectes collés aux dents. Nous sommes les motards du désert. Avant de devenir motard du désert, je me sentais bien nulle part. Je me mets pas, j'avais mauvaise haleine et un penchant pour la lingerie féminine. Mais ces gars m'ont compris. Ils m'ont accepté. Ouais, je suis là pour les petits gâteaux. Ah ouais, je fabrique aussi ces gants pour les gars. Alors, si vous avez l'étoffe d'un motard, remplissez cette adhésion temporaire pour participer à la course d'aéromoto la plus difficile de la galaxie. Gagnez-la et devenez l'un des nôtres. Les motards du désert, le loisir numéro 1 des Tug Forless. Les motards du désert ont tous des motos Megacorp. Alors ça a été facile. Contractez-moi si vous avez d'autres indignations. Faites Switchjet, terminé. Indignation. Ok, donc ça c'est fini. Passage infâme par les bugs. Oh.
Les thunes. C'est bon, les thunes reviennent. Allez. On s'y ira. Allez, ça. Là, c'est plus que 2 ou 4 boulons. Et qu'en avant, on était plus dans les 20, 15-20. Ça, c'est rentable une fois de péter les trucs. Et après, beaucoup moins. Oui, je prends des mûres. Je vais attendre un peu avant d'acheter le crasheur d'étoiles. Puis on va aller sauver Clank. Attendez. Là, j'ai trouvé un boulon, deux boulons. J'en ai trouvé deux aussi. Je ne sais pas où sont les autres ici. Je sais où il y en a un. Bon. Allons-y. Pour afficher une carte, appuie sur la touche Select ou la touche R3. Oui, pardon, madame. De manière tellement vénère, je me fume. Par contre, vous m'empêcherez pas d'avoir les mules. Et le pognon. Pour centrer la caméra, appuie sur la touche L1. Alors à gauche. C'est plus simple une fois qu'on a Clank, donc on va les récupérer tout de suite. Et voilà. Oh non, il est prêt pour un détritus. Oh. La planète, c'est un danger parce qu'on te prend pour un détritus, c'est super. Alors ça, c'est très gaulerie, vous allez voir. Bon, pas ça, parce que ça, c'est chiant, mais après. Que la sans faute sur ces machins. Oui, on l'apprenne d'ailleurs. Vous avez vu, c'est loin du truc. Ça trop rigolo. Et pourquoi? Parce que voilà pourquoi. Oh, tronche. Cranche. Cranche. Bon, c'est rigolo, mais... ça aussi. Cranche. C'est rigolo, c'est que tout est dans le suggestif. Tu vois une grosse caisse, tu vois la grosse caisse de métal, tu dis, ah oui, je vais écraser le truc. Et pourquoi pas les strums aussi. Et oui. Il m'a déséquipé de mon arme. C'est pas très gentil ça. Ah, y a un boulon caché pas loin. Ah,
fais. Je me fais ouvrir en deux. Ah, c'est pas des vraies lampes, merde. Ah, c'est déjà le vide. Ouais, réaction en chaîne. Ah, les PV, ça fait du bien. C'est pas nécessaire, mais... Bon. Ah, et là, ça va être très rigolo. Vous allez voir pourquoi c'est très rigolo. Attendez. Ah mais ici. Voilà, voilà pourquoi c'est très rigolo. Regardez comme il fuit. On est dans le coin, le lâche. C'est bon. Allez, tu gagnes un point de compétence parce que tu les exposes comme ça, c'est très rigolo. Wow. Viens là. Et lui, il se pète quand tu le lâches. Alors, il y a un truc à faire ici. Parce qu'il y a un boulon caché. Juste là. Ok, ça a marché. Voilà, et puis il faut aussi qu'on pète le truc qu'il y a devant. Il y en avait d'autres qui sortaient après, mais bon. Ah, là j'ai pas encore l'outil. C'est un autre crocheteur. Mais je ne l'ai pas encore. Ouh. Là, le boulon. Bon, les autres petits boulons ont disparu. C'était ça. J'ai voir quelle arme on a débloqué à cette planète là. Clank. Ah. Ok Clank, ne bouge pas. Je descends. Ah oh, fils de Quark.
Ok, mon pote. T'inquiète, on va te remettre d'aplomb. Allez. Alors, paf. Jusque-là, tout va bien. Le dernier chiffre de Pi est... Clank ? Clank, tu m'entends ? Ratchet ? Où sommes-nous ? Hein ? J'ai dû m'assoupir. Te fatigue pas. Il faut qu'on sorte d'ici tout de suite. Ce conduit semble être notre seule issue. Et là, on va jouer avec Clank. Parce qu'il n'y a pas beaucoup des niveaux avec Clank, mais il y en a. Dans le 1, je trouve les niveaux avec Clank, c'était vraiment... Pour glisser, saute et maintiens la touche croix enfoncée en... Planer, tu veux dire. Dans Ratchet & Clank 1, les parties avec Clank étaient vraiment... crispantes, je trouve. Alors, pour bosser, donc, on va quand même chercher les petits robots. Pour contrôler les mini-robots, maintiens la touche triangle enfoncée, puis choisis une commande. Mourez pour moi. Et sans hésiter, il meurt pour moi. Crank. Voilà. Le robot pont. Le robot pont, il fait des ponts. Bah, fais un pont. Oups. Comment est-ce que je pense qu'il va faire bien mieux? Avec les petits bots, mais qu'ils n'ont pas eu le temps de faire assez de niveaux, ou alors que le niveau était un peu trop frustrant. Mais c'est vrai qu'il y aurait pu en avoir plus. Robot élévateur acquis. Utilise-le pour soulever des grosses charges. Oui, c'est bon, du calme. Allez, soulever. Il a soulevé. Bravo. Attaquer. Attaque, hein. Allez. L'idée, c'est que je vais mettre sur le côté, comme ça, eux, ils peuvent attaquer sans être emmerdés. Voilà. Et directement, rentrer dans la porte. Hop. Et nous, on passe. Clank. Ce n'est rien. T'as été super. Bon, maintenant, il faut rapporter ce cobaye. Hop. Et maintenant, j'ai acquis le Clank. Pour faire ça, là, tout le jeu devient tout de suite beaucoup plus logique. Pour sauter sur de longues distances, cours puis appuie sur la touche R1 et la touche croix en même temps. Voilà. Et là, le jeu devient cool. Pour glisser par-dessus les fossés, appuie sur la touche croix pour sauter, puis maintiens la touche croix enfoncée durant le saut. Clank est également doté d'une option de propulse opaque. Le propulse opaque a les mêmes fonctions que l'hélipack, avec l'autopropulsion en plus. Tu peux le sélectionner dans le menu gadget. Ouais, et ça... Gadget, voilà. Et ça, c'est ce qu'on débloquait vers la moitié de Ratchet & Clank 1. Est-ce qui nous permettait de faire le strafe. Quelque chose qu'on n'avait pas de base dans Ratchet & Clank 1. Enfin, le strafe, c'est un strafe bizarre, un peu glissant. Qu'on a le clan, c'était beaucoup plus simple de faire pas mal de choses. Notamment ça que tu peux enchaîner à l'infini. Ça il me semble que ça va plus vite que les hyperc, mais je suis pas sûr. Voilà. Tout ce qu'on avait à faire ici, on a récupéré le boulon.
police, tout ce qu'on avait fait ici. Et là maintenant l'autre chemin. Sauf que, où est le vendeur? Il est là. On va récupérer, on va voir quelles sont les armes. Le fusil plus c'est sympa, et les tourelles c'est super sympa. Quand mini tourelle c'est vraiment pété. Hein. On va le prendre. Trop bien le grand mini tourelle. Hey. Elle avait pas vu. En général, le grand mini tourelle s'attaque aux méchants qui sont les plus proches de toi. Ce qui est assez bien. Bientôt l'évolution de nos textes, pas grave. Plus combien de temps il reste, combien de temps il peut tirer la tourelle. Ça s'améliore après, mais. Ah oui, ça, j'ai oublié ça. Le gros méchant avec son gros hélicoptère nul. Hop. La tourelle fait tout le boulot à notre place, ça qui est beau. Il me semble qu'il y a un truc à faire, mais je sais plus quoi. Là, il y a un boulon caché. Faut le savoir. Ouch! Protégez-moi, bon sang! D'accord. Bon. C'est vrai qu'il ne me protège pas, c'est terrible. Ah, il a une le. Les glissobots, je ne sais pas encore. On avait dans le 1, mais qu'apparemment on a égaré. Qui est généré en munitions. Bah alors. Ah, elle tirait sur le. Tirait sur le truc pété, dommage. Un petit boss nul, vous allez voir. Pas très complexe. Normalement. Salut, bande de crétins.
Comme mes employés ont lamentablement échoué dans leur mission, j'ai décidé de m'occuper de vous moi-même. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Il faudrait qu'il s'occupe de sa synchro labiale. Non ! Merde ! Ah merde ! Là j'ai raté là. J'ai raté lamentablement. Et du coup on arrive de où ? On arrive de là. Tu sais, ça va te faire beaucoup plus mal que moi. Ah c'est mieux, parce qu'au moins il est plus protégé. Ok, d'accord. Ok, c'est bon. On est chez Clank. Hey, c'est mon swinger et mes glissobots. Maintenant que toutes les missions ont été accomplies sur cette planète... Non, je fais ce que je veux. Ça, c'est Jax. Dexter, je crois, je sais plus, je crois que c'est ça. Ah non ! Ah oui, d'accord, 1000 boulons, oui, d'accord. Là, je dis qu'il soulève. Et elle a tellement soulevé que la barre elle est tordue. Regardez-moi ça. Quel crack. Un frigo. Elle vit dans la sobriété, hein. Une télé, un canapé, un frigo et un bench. Cible swinger détectée. Maintiens la touche cercle en... Oui, je sais. Hop. Hop, donc il y a deux types de cibles, celle où tu es attiré directement par elle ou celle où tu te balances. Et... troisième, où tu tires quelque chose. Voilà. Rien de fou. Rien de compliqué. Et là, moi, j'aimerais bien y retourner parce qu'il y avait un parcours de Swinger qu'on a vu juste avant. Donc, on va y aller rapidement. Voilà, hop, voilà. Et voilà, c'est ça. Une claque qui se bat, ça fonctionne comme ça. Chose assez classique. Dans beaucoup de jeux différents. Hop. Ah. DR. Aïe. Voilà, on a esquivé des trucs. Jusque là, rien de fou. Hop. Et là, il y a le bouton. Passez-la dans la fente. L'arme que vous avez modifiée, passez-la dans la fente.
Ah, j'ai compris. Vous faites des modifications sur les armes. Ouais. Avec votre vulgaire arme, en quelques tours de... clé, je peux créer une pièce essentielle de votre équipement. Bon, vous vous décidez ou quoi? On ne va pas y passer la journée. Ça c'est fort. Pouvoir locker. Faire un lock. Ça aussi c'est fort. Faisons d'abord ça. Et attendons d'avoir d'autres armes pour faire d'autres modifications. Le fait de pouvoir locker c'est fort. Il y a la texture et wiggle, regardez. Wiggle, wiggle, wiggle. Et alors, normalement, on a terminé. Deux boulons. Il y en a un autre, il me semble, mais je me souviens plus où est-ce qu'il est. Je me souviens plus où est le dernier. Bien, allons voir. Quatrième planète. Trouve les motards du désert. Oui. Trouvons-les. Gadgetron. Oh. Et là, on a une nouvelle arme, l'arme chercheuse, ce qui est très forte, il me semble. On aurait assez, on va économiser un petit peu. Se focus sur le pompe. Cette arme peut être verrouillée sur ses cibles. Pour ce faire, maintiens la touche L2 et la touche R2 enfoncées. Voilà. Et en plus, ça me permet d'avoir une barre de vie. Pas mal quand même. Il y a quand même 4 munitions. Les ennemis ont un peu plus de PV qu'avant. Et à chaque planète, ça va être ça. Des armes plus fortes. Par contre, ces Stromlins, c'est des vrais emmerdes. Ils te rushent puis te poussent. Alors, pour trouver les boulons sur celle-ci, je sais plus. Ça va se péter ça. Oui, ça se pète. Pas très rentable. Et voilà. Alors ça paraît con d'avoir une modif de lock sur un pompe, mais en vrai c'est bien. Ah là c'est le moment. Voilà. Il y a un truc qui me fume aussi, vous allez voir. Vous avez vu? Vous avez vu les animations faciales? Donc il y a la clé, puis là, il sort le pompe. Et je crois qu'il le fait qu'avec le pompe. Ouais, c'est ça. Là, tout va bien. Ah, il sort le pistolet lanceur, tout va bien.
Par contre, si sur le gros lance patate, il me semble qu'il fait la même tête aussi. Regardez. Ah non, c'est vraiment que pour le pompe. Ça me fume. Vraiment que pour le pompe qui sort cette tête là. Moi, ça me fume. Si, regardez ce rechargement. Bam! Cric-cric. Chargement hyper énervé là. Parce que lui, tu recharges pas. Il y a quelques pompes que tu recharges d'ailleurs. Je crois. Voilà. C'est la dernière balle. Alors, c'est un peu de tourelle. Max de boulons, t'as des gueules de boulons partout. C'est un peu un jeu à patoun. Hein. Quand tu enlèves la nostalgie, c'est un peu beaucoup de la patoun. Là, tu fais un truc rigolo. Hop. Et ils vont se cacher. Personne ne peut se cacher de l'évolution de Nanotech qui expose tout le monde. Je crois qu'il y a un bail comme quoi il faut qu'il soit dans ton champ de vision, dans la direction de ton champ de vision. Oh putain, voilà, ils font ça. Je me sens pas que tu puisses les dodge. Ah, les munes, ça c'est bien. Y'a pas une. Ah, y'a des munes là. Et là, je me sens con parce que j'ai pas de save de Ratchet & Clank 1. Oh, ça allait assez vite, hein. Y'en a un qui a clippé. Ah, il est là. Hop, au revoir. Parfait. Head stuck, ça m'aurait fait chier. J'ai fait exploser un autre tube sous vide. MDR, c'est drôle. Le robot qui pète. Les jeunes sont vraiment effrontés de nos jours. Oh, ne soyez pas gênés. Je suppose que je suis un peu vieux jeu sur ce genre de choses. Saviez-vous que je suis chez Gadgetron depuis le début? Alors vous vendez ces gadgets? Allons, ils se vendent d'eux-mêmes. Alors... Ouais, et là ça vaut du pognon. Alors que si je les ai achetés, bon, sauf le Telt, si je les ai achetés dans Ratchet & Clank 1, tu les as gratos. Donc le gripper Tesla ça vaut le coup, le canon visibon ça vaut vraiment le coup. Après le repousseur et le gant à bombe, beaucoup moins. De toute façon là j'ai pas les thunes. Contrairement aux armes Megacorp, elles ne s'améliorent pas. Monde. Et
là on se rend compte que cette manette c'est une ancienne usine gadget. Qui vous a laissé entrer ici? Va-t'en avant que je transforme ton robot en enjoliveur. Si jamais tu t'avises de le toucher, je fais tout sauter! Oh là là, inutile de hurler. Pourquoi a-t-il fallu qu'il hurle? Attends. Je t'entends pas, là 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 là. Je parlerai qu'au petit bonhomme. Monsieur, tout va bien. On est des motards du désert, comme vous. Vous. Alors, vous comprenez ma sensibilité? Absolument, monsieur. On est là pour la course. Eh bien, vous pouvez emprunter ma Bluebell, à condition de l'aménager. Mais il va falloir la réparer. Pas de problème, mon frère. Ta Bluebell est en de bonnes mains. Au début, j'entendais poubelle quand j'étais petit. Je comprenais pas. Ça, c'est vicieux ça. Jusque là sans faute hein, pour ces machins là. Alors les cours, c'est un autre élément de gameplay. Donc ça vous aurez tout vu comme ça, c'est bien. Bon, on retourne à respirer à pied sur X. Les boosts, appuie sur R1. Toujours focus les boosts. Première course, tu n'as pas d'arme donc t'en fous un peu. Ah, j'ai loupé un boost. Vraiment, pour gagner ta course, faut vraiment que tu loupes aucun bonus. Là, j'en ai loupé un. Miaou. Voilà. Et 3 tours. Faut pas trop te prendre un mur de face quand t'exploses. Du retard, genre comme ça. Hop. Mais avec de l'avance, toi, tu peux te faire baiser. Hein. Avec une mauvaise manip. Genre comme ça, ça c'est le pire. Ça c'est le pire endroit. Peu importe si tu es deuxième ou troisième, non, non, faut être premier, sinon ça vaut rien. Ouah, je trouve le boost. Bon, je l'avance, on voit sur le circuit. Voilà, là, je fais exploser. Là, je vais faire de la merde. Hop. On a rattrapé le dernier. Ouais, on l'a rattrapé. Hop. Même plus d'une dizaine de secondes dans la gueule du deuxième. Superbe course, l'ami. Tiens, prends ce casque pour leur montrer que tu es des nôtres. Merci, monsieur. Oh oh, on a reçu un message du chef. Message à tous les employés des Tug for Less. Primo, l'imbécile qui a mangé tous les Tucci dans la salle de pause a intérêt à arrêter de s'enfiler. Non, les Tucci. Hé, éteignez ces lumières. C'est contraire au Feng Shui. C'est contraire au Feng Shui. Rendez-vous spatial a été déplacé. Écoutez-moi bien, bande d'incapables, au système Feldzone dans le secteur 1, 2, 3, 4, 5. Si vous êtes fâché avec les chiffres, faites-vous aider.
Tertio, le pique-nique de la compagnie aura lieu dimanche prochain. N'oubliez pas les munitions cette fois. Hé ! Repéré, Cletus. Tu t'es fait prendre la main dans le sac. Vous inquiétez pas, c'est parce qu'il nous adore que le chef nous crie dessus. Oui, monsieur. Qui aime bien, châtie bien. Me dis pas que t'as vu cette émission. Pas vraiment. Je pense qu'on devrait aller jeter un petit coup d'œil à ce point de rendez-vous. Oui, et on interceptera peut-être des transmissions égarées. Du coup, maintenant qu'on va faire les courses, on portera le casque. J'aime pas trop les courses, donc on va passer à la suite. On termine cette planète, puis après on va s'arrêter. Donc là, on a fait un chemin pour débloquer les courses. Envahis ces trucs là, salope. Après, il y a un deuxième chemin pour débloquer un gadget. Le fusil flux, c'est. Ça, c'est vraiment sympa. Ça, sniper. Donc, c'est sympa. Hop. Alors dans le 3 ils ont fait un truc de bien, c'est que t'as pas besoin d'équiper le swinger en ton inventaire pour l'utiliser. Dès que tu sautes près d'un truc il sort tout seul. Ça c'est bien. Ah oui, d'accord. Hop. Il me semble qu'il y a un boulon sur la course. Ah oui, je sais où il est. Je sais où il est. Ça paraît ça, on l'avait pas débloqué. Le masque à oxygène et le propulseur aquatique de Clank. Je les débloque au fur et à mesure dans Ratchet Clank 1. Et là, on va chercher un boulon caché. Il est infâme à sortir, mais... pas complexe, juste long. Là. Allez. 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 Tu peux y arriver. Et là, normalement, ça, ce genre de truc, tu peux le deviner avec la carte. Tu dis, ah, c'est bizarre, il y a un truc là. Donc, c'est un truc là, j'aurais pu y aller. Je sais pas s'ils affichent la carte de la course, mais il me semble pas. Non, elle est pas affichée. Là, il y a un truc que j'ai, je suis pas allé voir. Je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que je suis pas allé voir? Ah non, c'est la course là. Je suis pas allé voir dans les recoins du bord de la course, très bien. Je suis pas grave. Donc là, faut pas se louper. Voilà. Normalement on les bute à la clé mais l'XP de l'arme. Dans le lore Ratchet Clank il y a ces machins là. Ces espèces de trucs qui crachent des petits strums. Quel qu'il soit.
Ce machin-là pour but de cracher des petits strums. Ah, ils sont tous bugués. D'accord. Ah putain. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Hop. Hop. Ah, tout le chemin inverse. C'est long. Mais c'est pas le plus infâme à récupérer de boulon. Hein. Il y en a qui, vraiment qui sont chiants. Allez. Checkpoint, au cas où je serais cassé la gueule. Ouais, ça va. Et là, faut pas se planter. C'est pour ça qu'il y a un checkpoint, parce qu'il est ce soit un peu complexe. Hop. Bah non, en fait, bien sûr, fais ça. Très bonne idée. Bah c'est ça qui sert le checkpoint. Quand j'ai pas de cerveau. Parfait. Voilà. Ah, il a pas du tout marché, d'accord. Il y avait un bug aussi quand tu sortais de trop de tourelles en même temps. Elle buguait, elle voulait pas sortir. Elle restait en boule au sol. Bon, pas très rentable. Oh, j'ai mis ce clic, putain. Allez, on commence. Troisième fois, c'est la bonne. Ah, sur celui-ci, les plateformes ne tournent pas, d'accord. Hop. Oh putain. Un petit sursaut en avant, j'ai pas compris. C'est bête celui-là, c'était un tout simple. Là on retrouve un mec piégé dans son glaçon.
Il y a moyen de faire de gruger ou pas? Ça marche! Mon invention fonctionne! Que quoi? C'est le Terminator! Il tire des salves thermiques capables de faire fondre un iceberg ou de geler un lac! Gadgetron va me l'acheter des millions! Oh là, l'ami, vous êtes resté combien de temps dans le congélo? Gadgetron ne travaille plus dans cette galaxie depuis des années! Tout le monde achète des produits Megacorp maintenant! Alors, peut-être que ça vous intéresserait, vous? Ah, moi j'ai acheté un putain de micro-ondes, c'est super! Ah, merci! Hey, peut-être que Megacorp recrute? Utilise le Terminator pour faire fondre la glace. Terminator. Personnalise Select Prompt dans le menu Pause. Oui, oui, c'est bien. Fait fondre la glace. Et ça gèle de la flotte, c'est bravo. Il a inventé le combiné frigo micro-ondes. Hop. C'est bien. Et normalement on a tout fait. Là on a tout fait sur cette planète. Et ça sera bien. Hein? Ça sera bien pour... Hop. On sauvegarde mais peut-être que je ne vais pas y retourner. Ça sera bien pour une petite... Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Un petit souvenir de Ratchet & Clank, comment c'était il y a 20 ans? Bah c'était ça, et c'était très bien. Et ça se rejoue encore très bien, c'est un peu moche. Hein, quand c'est 480p natif, la PS2 c'est pas très beau. Mais bon, on joue avec, on s'habitue. Hein. Hop, alors si on peut arrêter l'émulation, ça serait bien. Hop, voilà, parfait. Et quitter. Parfait. Bon, du coup, c'est la fin du stream. Je vais vous mettre avec une petite musique, puis on va s'arrêter là. Hein? Voilà, parfait. Je vous dis à la prochaine.